première fois en 2015, le haras du Grand Courgeon au Lion d'Angers accueille un étalon pur sang anglais aux côtés des vedettes pur sang arabes. Cheval porteur d'un fort symbole, Very Nice Name a été le premier partant entraîné au Qatar dans l'Arc de Triomphe. Le fils de Whipper ponctuait ainsi une grande saison internationale 2013 sous l'entraînement d'Alban de Mieul, entamé par un succès dans l'Emir's Trophy à Doha, l'Arc du Qatar. C'est surtout un cheval qui avait un cœur énorme. C'est un cheval qui était toujours monté, toujours dernier pendant les parcours, qui malheureusement n'était pas très vite en partant, mais il fallait lui laisser le temps de se mettre en jambes. Mais alors il avait une pointe de vitesse remarquable. Toujours monté par Olivier Pellier, il se frotte à l'élite mondiale en mars 2013 dans la Dubai Shima Classic, groupe 1, prenant une magnifique troisième place derrière Saint-Nicolas Abbey et Gentil Donne. The Japanese mare trying to run him down, but St. Nick's in front. He'll go one better this year. St. Nicholas Abbey drew clear. He won the Dubai Shima Classic. Il faut reconnaître que la Shima Classic a été une performance merveilleuse pour nous et pour lui, puisqu'il a été battu par un très bon cheval, et il a battu dans cette course un cheval que nous avions autrefois, qui s'appelait Dunaden. Donc la ligne est quand même bonne, c'était un cheval qui reste dans notre mémoire pour nous, parce qu'en tant que cheval de course, qui pouvait à haut niveau, qui pouvait être compétitif. De retour en France, son pays natal, il se distingue par une deuxième place derrière l'inapprochable Nippon Orfèvre dans le prix Foix, un groupe 2 préparatoire à l'arc. Longueur d'avance sur Pirica avec en troisième position Very Nice Name. Orfèvre qui va s'envoler ici vers la victoire dans le prix Foix. Démonstration d'Orfèvre qui triomphe, arrêté par Christophe Soumillon. Deuxième place pour Very Nice Name. Il faut savoir que c'était le meilleur cheval au Qatar, qui a gagné toutes les grandes courses. Il a quand même prouvé qu'il avait de la qualité. Et je pense que pour faire des croisements en France, même ne serait-ce que pour faire des chevaux d'obstacles, je pense qu'il peut amener beaucoup de vitesse et de morphologie pour l'avenir des chevaux d'obstacles. Acquis par Unkarn sur le ring de Deauville Yearling pour 50 000 euros, Very Nice Name provient d'une famille française prolixe et régulière, avec des gagnants de groupe et de liste à chaque génération, et sous la troisième mère, un étalon qui a marqué l'élevage français en obstacle, le chef de race, Vidéoroc. World, the time has come to push the button.